Un haul, ça vous dit? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec un haul puisque je suis allée faire les magasins cet après-midi puisqu'il me restait quelques cartes cadeaux à utiliser de mon anniversaire et je me suis dit pourquoi pas aller voir ce qu'il y a sachant que la collection d'automne est sortie. On va commencer tout de suite. Donc, je suis allée chez Gémeaux. Et je me suis trouvé un jean, donc c'est un slim, comme ceci. Alors il est pas rouge vif, hein, il est rouge bordeaux. Voilà les poches. Donc c'est un taille 38. Il était au prix de 19,99€, mais il y avait une réduction, donc il est passé à 9,99€. Donc je l'ai embarqué tout de suite. Il me va bien, je suis très très bien dedans. Il est un tout petit peu trop grand par contre, mais bon, ça c'est pas trop gênant, avec une ceinture ça va passer nickel. Et puis de toute façon je préfère que ce soit trop grand que trop petit parce que j'aime pas du tout être serrée dans mes fringues. Et pour la petite anecdote, j'ai essayé un jean de la même taille, il était presque pareil, hein. C'était peut-être pas de la même gamme, mais en 38 le kaki que j'ai essayé il m'allait, mais il était un peu trop petit, j'étais un peu serrée dedans, alors que pourtant c'était un 38, il aurait fallu que je prenne un 40. Donc comme quoi en fonction des collections et des magasins, les tailles sont pas les mêmes, donc je pense pas qu'il faut se fier forcément aux tailles, ça veut rien dire, parce que là c'était complètement différent. Celui-là est un peu trop grand et c'est un 38, et l'autre était un 38 aussi mais était un peu trop petit, donc voilà, je me fie pas trop aux tailles, mais en général je prends du 38 quand même, et je le trouve vraiment très très beau pour l'automne et l'hiver. Ça va être super, ça va être très joli. Hop, voilà pour ça. Et ensuite, à Gémeaux, toujours, je me suis pris ce petit haut qui est couleur jaune moutarde. Il est très fluide. Donc, ce sont des manches 3 quarts et on peut les retrousser. Il y a un petit bouton juste ici. Donc, c'est un 38 également. Il était au prix de 14,99€, mais ils ont fait une réduction aussi et il est passé au prix de 9€. Donc, j'ai pas trouvé ça cher du tout. Je le trouve très très beau, franchement, il est très simple, mais moi j'aime bien. Avec le petit zip et puis le petit liseré doré juste ici. Et la dentelle derrière, moi j'aime beaucoup la dentelle. Je le trouve vraiment très très beau et ça faisait pas cher. Donc voilà pour ça. Et j'avais une carte cadeau de 15€ chez Gémeaux. Donc j'en avais pour un total de 18,99€, mais avec la carte cadeau, j'ai payé 3,99€. Ça vaut largement le coup, donc j'ai une tenue à pas cher, donc je suis super contente. Ensuite, je suis allée chez Kiabi et je me suis acheté deux sous-vêtements, donc je ne vais pas vous les montrer hein, parce qu'on s'en fout, clairement, voilà. Et les sous-vêtements, pour vous dire le prix, donc j'en ai pris un bleu et un blanc, et le sous-vêtement était au prix de 4€ l'unité, donc ça fait pas cher. Et je me suis pris des petites chaussettes. Comme ceci à Kiabi, donc c'est des sockets, donc en 35-38, et elles étaient au prix de 4€. J'en avais besoin, j'en avais plus, donc c'est parfait. Et il y en a 6, donc ça fait vraiment pas cher le lot de chaussettes. Ensuite, je suis allée chez Chaussea et j'ai acheté ceci. Donc c'est des coussinets en gel pour mettre à l'avant de la chaussure. Hein. J'en ai besoin pour les chaussures que je vais porter au mariage la semaine prochaine. Elles sont un petit peu... Enfin, je ne veux pas dire qu'elles sont trop grandes, mais mon pied glisse un petit peu, donc je préfère prévoir. Et j'ai pris des anti-glissoires en gel, donc ça se positionne derrière la chaussure, c'est pour éviter d'avoir mal au talon et avoir des ampoules. Et puis ça permet au pied de ne pas glisser. Et je trouve ça vraiment très pratique, j'achète toujours ces petits trucs-là à Chaussea. Ces deux petites choses m'ont coûté 9€ au total, donc je pense qu'ils sont à 4,50€ l'unité. Voilà, ça reste un coup quand même, mais bon, ça fait quand même longtemps. Hein. J'avais mis ça dans des escarpins noirs que j'ai depuis 2013 et ils ont pas bougé. Hein. Donc pour vous dire, ça tient vraiment bien. Donc ces deux petites choses étaient au prix de 9€ chez Chaussea. Et enfin pour finir, je suis allée chez Jiffy puisque je cherchais une petite carte pour les futurs mariés, pour le mariage la semaine prochaine comme je vous l'ai dit. Et en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais à Jiffy, donc je me suis retranchée sur un petit diplôme comme ça, je trouvais ça super sympa. Donc c'est le diplôme des jeunes mariés décerné A. Ça y est, depuis le temps qu'on l'attendait, félicitations, vous vous êtes enfin trouvés, réunis pour le pire et surtout le meilleur. On vous souhaite une vie entière de bonheur, fait à le signature.
Et donc il y a la petite enveloppe qui est fournie avec. J'ai trouvé ça super original et super sympa le concept. Donc après ils en font ce qu'ils voudront. Mais voilà, je voulais quelque chose de sympa. Et puis il me fallait absolument un truc, enfin une petite carte pour accompagner le petit cadeau que je vais leur faire. Et j'ai trouvé ça très mignon. La petite carte était au prix de 2,99€. Donc écoutez, voilà, le petit haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire en dessous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour les notifications. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye !